Bonjour tout le monde, bienvenue ici Jake, vous êtes sur Iva Sound Studio, nouvelle semaine de stream et d'autres choses bien sûr, donc pour savoir les autres choses, rendez-vous sur Discord. Sinon, il va falloir finir Metroid Dread vraiment, il reste le boss final et le endgame, sachant que Bec de Corbeau a déjà posé vraiment problème la dernière fois. Il va falloir le battre, ça va être long, mais il va falloir le battre. Donc let's go, on y va. Après 14 heures de jeu, je rappelle que le jeu a une durée de vie moyenne de 6 à 8 heures. Je suis à 14 heures de jeu, au secours. Et je suis au 5, j'ai 54% des objets, en gros, au niveau complétionniste. Je suis encore très loin de ce qu'il faut faire. Mais bon, l'objectif principal, c'est de finir l'histoire. Le complétionniste, on en fera peut-être un peu après le boss, s'il y a le temps. Voilà. En attendant, on va continuer la partie. Et on va vérifier qu'il n'y ait pas de problème de son. Sinon, il va falloir tout recommencer. Et pour ça, il va y avoir un petit écho pendant quelques secondes. Je pense que ça a l'air d'aller. Sur le retour, ça a l'air d'aller. Du coup, on va go comme ça. Alors, où en étions-nous? La carte. C'est comment la carte déjà? C'est pas comme ça. C'est comme ça. Nous venons d'arriver à Itorash. Il va falloir grimper. Voir le... Oh mon dieu, mais il faut regrimper là-haut en fait. Bon, c'est pas grave, on va le refaire. Et on va enchaîner encore une fois le boss. Jusqu'à... On puisse y arriver. Bon, ça va, c'était déjà cassé ça. Bon ben let's go. Hop là. On remet pas la cinématique hein. On l'a vu la dernière fois. Voilà. C'est parti. Comment on joue déjà? Il va y avoir quelques trails de récupérer les commandes, je vous dis tout de suite. 2, 3, 4. Allô? Ok, ça c'est le dash. Oui, je vous évite les commandes d'un jeu. Je suis au courant. Il y a trop de jeux vidéo sous terre en fait. Mince! Danger, une bêtise. Techniquement, ok, le boss me fait très mal. Ça, on m'en est déjà rendu. Mais techniquement, avec ces boules noires, je peux régénérer quasiment à l'infini. Là, j'aurais pu contrer, je suis bête. Alors, non. N'agis pas contre. Là il va faire quoi? Contre, pas contre, précipé. PC. Et là, j'ai raté le contre. J'ai raté le contre encore une fois. Ça va être une horreur. La dernière fois, on est arrivé au début de la phase 2. Ah, j'ai contré. Ça n'a pas fonctionné comme je le voulais, mais j'ai eu un contre quand même. C'est un petit contre, c'est pas un gros contre. Et je récupère un peu de vie au passage. C'est gratuit.
Oui. Alors non. J'arrive pas à le contrer comme j'ai envie. Alors, pas comme ça. Ça c'est pas comme ça. Mais au moins je récupère de la vie. 4. Baisse. Et là. Yes. Ah oui, non, peut-être. Non. Bon, les réflexes des commandes commencent à revenir. C'est pas mal. Le recontre. Ça me donne quand même des grosses grenades. Je sais pas quand les utiliser sur le. Je sais pas quand les utiliser sur le boss. Okay. Là il vient de passer un goldé, donc on a une petite avancée dans la phase 1. Vraiment réussir deux contres parfaits quoi, et ça j'y arrive pas hein. Je vais pas le faire ça, ça me tape, non c'est ça. Là il me provoque gratuitement. Oui parce que là il prend pas de dégâts, sinon c'est pas drôle. Raté, bêtise. T'amuses, tu peux ça aussi, non ? Non, là j'ai complètement raté. Une bêtise. Comment on fait la bombe déjà contrée. J'arrive pas à faire le double contre hein. C'est affreux hein. Je sais même pas si je fais vraiment des dégâts comme ça. C'est encore plus affreux. Tenter un truc, le boss, c'est pas ici. Quand
ça, ils sont pas les secs de me taper. Ah, il veut pas. Pas du tout comme j'ai envie. Comme je voudrais. Bon, ouais, il est gentil, il me régène, il me donne des munitions, mais à un moment donné, ça va être bon, il va me faire mal. Yes. Phase 2. Yes. Ok. Il est pas content. Déploie les ailes. Ok. Phase 2. Cette phase, je la connais très mal du coup. Voilà. Ça, là par exemple, je sais. Ok, donc ça, ça va. Ça, ok, d'accord. Il prend des dégâts. Très bien. Là, il prend des dégâts. Intéressant. Punaise, faut que je me baisse. Je me baisse, non, je me baisse pas, je sais pas. Précipé. Non, ça, je sais pas le gérer. Je sais pas le gérer, ça. Est-ce que je peux. Mais il me met la moitié de la vie sur ça, quoi. Ah, putain. On peut pas juste recommencer une phase. Genre, voilà, si je perds la phase 2, je reprends la phase 2. Comment je régène sinon là? Phase 1, tu me donnes toute la vie que je veux et là c'est au death. J'arrive pas. Adieu Samu. Voilà. Je vais devoir me taper de nouveau toute la phase 1 pour récupérer la phase 2. C'est. Comment est-ce que je peux faire pour lui faire beaucoup de dégâts en phase 2 sans que lui m'en fasse trop? Parce que autant la phase 1 ça va, on peut temporiser, c'est long mais on temporise. Mais la phase 2, qu'est-ce que vous voulez temporiser sur la phase 2? Il est goldé. Ça devient un peu plus vite. Je sais pas ce qu'il faut faire dans cette provocation. On attend. Raté, 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 raté.
pirate. De nouveau phase 2 qui sera apparu un peu plus vite là du coup. Ok, comment faire? Non, commence pas par ça s'il te plaît. Punaise, il me met moitié vie. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse là? Oui, bien sûr, oui. Voilà, la mitraillette. Encore. C'est ce qui me met le plus cher, ça. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Vas-y, saute. Voilà. Je suis censé me baisser. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Oh bien, ça c'est bien. Rayon laser. Là il va faire quoi? La mitraillette de l'amour. Allez, bam. De la mort là plutôt. Je me baisse. Je me baisse. Allez, re la mitraillette. Au revoir Samus. Au revoir. Voilà. Je ne sais pas passer cette phase. Je sais pas comment faire pour esquiver cette chose. Vraiment pas. J'ai tenu un peu plus longtemps. J'ai fait un peu plus de dégâts, mais ce n'est clairement pas suffisant. Il n'y a rien à contrer en plus là. Ah d'accord, il commence pas pareil. Samus, c'est chiant parce que on peut pas spammer le contre, sinon ça serait trop simple. C'est quoi ça? Bien récupérer un peu de vie s'il te plaît. Donne-moi des boules. Voilà. Pas la mitraillette, s'il te plaît. Ça oui.
Oui, bien sûr, va dedans, oui. Ça, c'était facile à esquiver, je l'ai pas esquivé du tout. Reste pas en boule, Samus. Voilà, re la mitraillette. Punaise, ça, c'est horrible. Oh mon dieu, c'est... Là, j'ai... Au revoir Samus. Punaise. J'adore ce boss. J'adore ce boss. Je vais pas commencer sa phase pareillement de la même façon. Phase de provocation, je la comprends. Mais c'est pas grave. C'est pas important, j'arrive à passer en phase 2 sans comprendre ça. Non, pas ça, pas ça. Ok. C'est difficile, mais ok. Yes.
Non, pas deux fois, s'il te plaît. Oh là là, là. Je l'ai pris. Sérieux? Tellement cher sur ça. Allez, vas-y, refais. Punaise. Ah, qu'est-ce que c'est, phase 3? Qu'est-ce qu'il faut que je passe? Il a cassé une aile. Ok. Non mais il est malade. D'accord, il s'enlève une aile. D'accord, ok, très bien, phase 3. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, ça ressemble à la phase 1. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que... J'ai pas compris. Ok, je suis arrivé en phase 3. C'est exceptionnel. Mais c'est quoi qui m'a tué en fait? Il me restait plus du tout de vie? J'ai même pas fait gaffe à ma vie là, sur la fin de la phase 2. Bon, ok, phase 3. C'est bien. Raté. Ah, très bien. Ça c'est d'accord. C'est pas voulu. Goldé. Heureux.
m'embête. Non mais il refait ça. Mais ça y est, il a compris que c'était son attaque phare. Non. Pas comment j'arrive à aller en face 3. Bon, j'ai trop de gros produits par contre. On peut passer la cinématique, ok d'accord. Oh! Oh! Qu'est-ce qu'il fait? 1, 2, 3, 4! Je me mets en boule. Ok, j'ai compris. C'est hyper tendu à faire en vrai. Qu'est-ce que c'est que ça? Mince, d'accord. C'était pas ce que j'espérais. Imbiz, d'accord. Ça aussi, ça donne de la vie, d'accord. Je suis en stress. Total. C'est quoi cette nouvelle cinématique? C'est un contre raté. Punaise. Une nouvelle phase? Non, c'est la même. Hop là. 1, 3, tac. Hop là. Ah, punaise. Oh. Raté. D'accord. Il y a un truc à faire sur ça. D'accord. Oui, mais ne me tue pas, ne me tue pas. J'ai raté le contre. J'ai pris beaucoup trop de dégâts. C'est affreux. Voilà, là je meurs. Il moi. Je peux pas passer en dessous de lui. Je crois qu'il y a moyen de passer en dessous de lui. Ah. Non. Tu pensais vraiment pouvoir me vaincre? Tu te surestimes. Tu n'es plus d'aucune utilité. Même ton Undying Metroid n'est plus nécessaire. Tu veux savoir pourquoi?
je peux maintenant cloner une armée entière de la plus puissante des Metroid, Samus Aran. Oh. Personne ne peut se mettre en travers de mon chemin, pas même toi. Tu es bien sotte, ma fille, laisse-moi m'occuper de la galaxie, ferme les yeux et repose en paix. Le savoir est tout ce qui compte. Qu'est-ce qui se passe? Elle se transforme. Oh oh. Je crois qu'il y a un problème. Le vaisseau qui tombe, elle a réussi à... Elle a pété un câble ou quoi? Du coup, il se passe quoi? Oh là! Pas fini. C'est un combat ou? Ah oui, c'est à moi de faire quelque chose. C'est moi qui fais ça? Sérieux? Je peux rien faire d'autre, de toute façon. Ah ok, très bien. Parfait. Je suis un peu inquiet de la santé de Samus. D'accord. Bon bah elle a détruit les petites étoiles de Mario Galaxy. Hein. Wow, pop, 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 stop, 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 il y a un compteur. Ok, oula, d'accord, donc le boss est fini mais il y a un compteur. Oula, 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 on est sur le endgame. Calme, on est à Anubia, carte. On est à Anubia. Porte hyper rayon. Ça veut dire qu'il faut que j'aille là-haut. Attendez, hein. Attendez. Punaise, mais il y a plein de choses sur là. Il y a même cette case-là. J'ai 3 minutes. Et je sais, je pourrais même pas finir ma belle carte, quoi. Bon, d'accord. J'espère qu'on reprend là où j'ai envie. Waouh. Je dois aller où en fait? Bon, on va perdre du temps là. Toujours pas comment on fait. Hein. Là-haut, très bien. Ah oui, d'accord. Ah oui, je casse tout. C'est... Ah ouais! C'est ce qui s'appelle nettoyer son chemin. Mais vu que je sais toujours pas sauter. Waouh. Tu régènes ? Non. Stop, pause. Là-haut. À gauche, à droite. Arrivé. Y'a pas un ennemi qui traîne là par hasard ? Ce serait rigolo.
Ah oui d'accord, j'ai trop chevé comme ça. Finesse, je remonte là-haut là. Maintenant je pars monter en bas. Attendez, je suis où? Je passe pas. Je passe par. Je vais dire en haut. Pas y aller là? Porte scellée. Porte scellée. Et je passe par où? Par là. Finaise. Secondes, mais j'y arriverai jamais, hein. C'est vraiment là-haut là? Non, c'est une blague. Oui, c'est vraiment là-haut. Quatre secondes. Puis je peux au moins passer ça. Trop tard. Trop tard. Game over. Oh, un nouvel écran de game over. Il y a la planète qui explose. Magnifique. Est-ce que, s'il vous plaît, je reprends juste la phase d'échappe? D'escape plutôt. Ça m'arrangerait. La réponse est oui. Très bien. Alors attendez, on avait dit qu'il fallait aller. Mais tout le chemin qu'il faut faire en 3 minutes. Ah mais le vaisseau il est là. Ok. Ah oui non, il fallait monter. Déjà je termine. Allez, ça m'use, punaise. Oui, une salle en bas. Là, je l'avais dit. Monter. Ensuite, là ici c'est verrouillé. Et là c'est verrouillé aussi. Moi je... Par en bas là.
Allez, Samus, monte. Punaise, Samus. Yes. On va y arriver. Ok. Il en reste tellement à faire. Non! Mais elle sait pas monter cette Samus. J'y suis, punaise, à 2 secondes. Quoi, non? Il est pas mort, lui? C'est censé avoir pété entre temps, hein, là, la planète. Excusez-moi, mais... C'est... Quoi? D'accord, très bien. Adieu la planète. Voilà. J'aurais pu nous mettre une cinématique de fin un peu mieux, avec un peu plus de lore aussi au passage, parce que là, du coup, on ne sait même pas ce que devient Samus. Donc bon. C'était donc Metroid Dread. Voilà. Je suis un peu perturbé par l'histoire, ce qui vient de se passer. Je sais pas si cette histoire d'affiliation était vraie ou fausse au final. Pourquoi ça serait faux? Enfin, ça me paraît, ouais, je sais pas, ça me paraît très bizarre. Donc bon, mais un super jeu, clairement. Très difficile, mais en même temps c'est le principe des jeux qui est. Principe de ce type de jeu, donc c'est voilà, mais très intéressant pour un Metroid qu'on n'attendait pas, parce qu'on attendait un autre jeu Metroid. Là, ils nous ont sorti ça limite gratuit. C'est vraiment, enfin gratuit, non, c'était pas gratuit, c'était payant, mais c'était, on l'attendait pas quoi. Et ils ont vraiment sorti un vrai jeu Metroid complet. C'est pas une démo, bien qu'une version de démo existe pour ceux qui veulent essayer le jeu évidemment, mais c'est vraiment voilà, ils ont. Sacré travail derrière, il y a un sacré travail d'ambiance, de décor, le gameplay est vraiment, alors il y a beaucoup trop de choses de gameplay à mon sens et à mon goût, mais plus objectivement le gameplay est très très complet et c'est un vrai plaisir, même si il y a des moments de frustration, mais ça c'est le but, c'est le principe même des jeux vidéo. C'était vraiment très intéressant et les boss était quand même très diversifié. Il y a eu énormément de boss, des boss même sur lesquels je ne m'y attendais pas, hein, vu que la plupart des boss sont un peu en mode oh tiens un boss, voilà, tombé au hasard, notamment Cred, on se souvient de Cred, donc bien sympa. Il y a pas mal d'easter eggs, je les ai pas tous relevés parce que j'ai eu peur de me planter, mais en fouillant un peu sur internet, il y a beaucoup de références cachées dans les décors et dans d'autres choses, donc c'est, encore une fois, c'est un vrai plaisir. Il y a vraiment, c'est un très très bon jeu, un très très bon Metroid. Je ne regrette absolument pas. Et je m'attends du coup, après le générique, à ce qu'il y ait un peu de endgame qui ne correspond à rien dans l'histoire, mais par contre, histoire d'aller finir
très proprement les maps comme j'aime bien le faire, d'aller chercher les items qu'il y a à chercher. Alors je pense pas faire les items à 100%, mais si j'en trouve sur le chemin, pourquoi pas. Les maps, je tiens à faire les maps. Pardon, je tiens à faire les maps, ça c'est clair. Je pense pas que je récupère le rayon laser de la mort qui tue sur le endgame, mais on va se débrouiller comme on peut. Notamment des choses cachées que j'ai notées qui étaient cachées, mais que j'arrive pas à accéder. On va voir si on peut y accéder. Voilà. Mais un très bon jeu, vraiment. Si vous avez suivi juste des bouts de stream, je vous conseille de foncer sur Metroid Red pour votre culture personnelle et votre plaisir personnel. Le GG, merci beaucoup. Donc Metroid Red terminé. Ah, je suis content. Je suis content. Après 14h40 de jeu. Sachant que en termes de stream, il y a plus d'heures de stream parce que les temps de pause, je crois, ne sont pas comptés dans le jeu. Les temps de cinématique ne sont pas comptés en tant que temps de jeu. Ou alors j'ai mal compris, mais parce que j'ai clairement pas fait que 14 heures sur Metroid, j'ai annulé beaucoup plus. Les heures de stream en témoignent. Donc bon. Very Special 5. Je vous laisse avec le générique, je m'accorde une pause, mais je vous laisse avec le générique. Je reviens dans en plein milieu de générique, quelque chose. Il était très très court ce générique. Je me suis dépêché. 14h24, 59 secondes en termes de pas de Samus. Sinon, en vrai, c'était plus long. Metroid Zero Mission. Oh! Ça, c'est du rétro, ça, par contre. Hein. C'est très joli. D'accord, ça nous débloque des petits comme ça. Comment ça s'appelle? Des artworks. Magnifique. Salut Draken. Mode difficile débloqué. Parce que c'était pas le mode difficile là peut-être. Ah là là. Obligé à 54%. Par contre, ok, je vais terminer. Mais je peux visiter la map comme j'ai envie maintenant ou... Parce que là, si je reclique là-dessus, en fait... C'est que je vais retomber juste avant le boss. Attendez, il y a un bouton option. Non, j'efface pas des données. Mode difficile. Alors le mode difficile, par contre, je suis désolé, mais je ne le ferai pas. Le jeu était vraiment déjà difficile. Par contre, il y a un logo maintenant ici, ça veut dire que j'ai déjà terminé le jeu. Allez. Continuer.
Du nouveau contenu a été débloqué dans la galerie. Ah ben, on va jeter un œil. Galerie. Bonus de fin. Voilà. Mais il n'y a pas les autres. 1. Ce sont les archives sur ISO. J'ai aucune archive sur ISO. Journal, tout ça on l'a vu. Et les crédits on les a vus à l'instant. Bah continuez. Écoutez. Faut finir le jeu à 100% là. Non non. Non non non. J'aurais jamais... Enfin je vais pas pouvoir faire le 100% des objets. J'ai que 54% des objets. Vous imaginez le temps qu'il va falloir faire pour aller chercher l'intégralité des objets ?